Ok, yop tout le monde, c'est Alex V qu'on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 19, enfin la suite de la FFF, ça fait un moment que j'attends mon match, là ça fait une petite semaine que j'ai pas joué. Entre temps, bon il y a eu voilà le petit tournoi organisé par la Flash Cup, quoi la Flash Cup eSport, donc organisé par le Flash de la Courneuve. Voilà, on a été accueillis par la G Squad. Donc dans la G Space, donc voilà une salle un peu pas d'e-sport mais une salle de streaming, on va dire ça comme ça, une salle de bootcamp, voilà. Vous pouvez réserver en gros cette salle et pouvoir jouer avec vos potes pendant une journée. C'était vraiment cool, c'était un super événement, super bien organisé par le Flash et l'équipe de la G Space. Justement, c'était grave cool et voilà, je suis arrivé deuxième, grave déçu. Voilà, j'en ai parlé sur les réseaux. La vidéo est disponible sur YouTube, sur la chaîne du Flash de la Courneuve ou sur le Twitch de G-Space, justement. Donc peut-être sur la. Alors je saurais plus si jamais vous voulez voir le match, je vous donnerai les liens à la rigueur. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre en live, en tout cas c'était grave cool, on a perdu en finale. J'ai mis énormément de temps à m'adapter, je suis mal rentré dans mon match. Voilà, c'est vraiment dommage. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir plus de précision et voir comment j'ai perdu lamentablement en mode Chicago Bears lors de cette finale, vous allez bien rigoler. N'hésitez pas. Demandez-moi soit le lien ou vous pouvez le trouver sur YouTube si vous faites un peu de recherche sur le YouTube du Flash de la Courneuve. Et aujourd'hui ça va être compliqué parce que regardez notre injury report, il nous manque 3 joueurs. Donc Coleman absent 5 semaines, Dion Jones absent 3 semaines et Chukwa absent 2 semaines. Donc ça commence à être compliqué un peu cette infirmerie là qui casse les couilles. Et on va aller. Ah, le son est fort. On va aller tout de suite accepter l'invitation de Johan pour jouer et c'est cool parce que moi je veux vraiment affronter un peu tout le monde dans FFF et je vous avoue que Johan bah c'est un bon joueur, un joueur un petit peu qui pourrait atteindre les playoffs chaque année mais qui échoue de peu je crois si je dis pas de bêtises, donc c'est du on va pas dire milieu de tableau mais un peu au-dessus. Il progresse petit à petit et voilà, c'est la première fois que je l'affronte. Donc je ne sais absolument pas comment il joue, je le sais un petit peu parce que Nico fait les highlights et du coup je vois un petit peu les plays qu'il fait un peu chaque semaine. Mais en détail sur une game, je ne sais pas. Et du coup aujourd'hui on sera avec notre running back de la draft, donc Sparks, qui est un power back, donc un bourrin. Allez. Ridley, petite passe, qui va se blesser direct, c'est une saison de merde. J'espère qu'il va pas choper une grosse blessure là, Ridley. Voilà, c'est bien Sparks ça. Allez, petite passe sécurisée sur l'extérieur sur Julio qui est tout seul. Là, il super. Ça me fait bien chier de plus avoir Coleman quand même. Oh, je suis trop une merde. Quelle est la faute? Quoi? La balle est pas catchable. Allons, on la décline. Cette faute inexistante. Cette faute inexistante qui m'aurait donné le first, mais c'est clairement du vol. Allez. Alors, on aura souvent Casey en tant que middle. Alors, c'est un peu. Putain, je suis trop con. Allez, c'est un peu bizarre d'avoir un safety en tant que middle. Attention à Melvin Gordon, hein, très très fort. Et l'interception. User pick, French touch baby. Et Shaw, notre rookie free safety qui marque son premier pick 6 en NFL. Off to his
Oh là là, mais je vais arrêter, mais à vouloir mettre trop de big hits. Alors, c'est cool, j'ai réussi à re-signer Rulo Jones, j'ai réussi à re-signer Bakhtiari, donc 2 joueurs à 99. Il me reste maintenant McKinley. McKinley demande 15 millions par an. Et même avec ça, il a pas voulu signer, donc. Ah putain, merde. Donc, ouais, ça va être chaud. Ça va être très, 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 très chaud. Et on le taggera pas cette année. Il faudra trouver un tight end pour le remplacer. Oui, Kinou, quatrième interception de la saison. Il est chaud. Il est trop chaud, Kinou. Il commence super bien la saison, quoi. Jones qui veut pas tomber. Johan. Oui, merci Julio. Let's go mon Sparks, hein. On bourrine. Non. Non, non, sérieux, cette animation de ses morts. Cette animation de ses morts, putain. Allez, 13-0. Ok, la petite passe sur Hunter Henry. Putain, je tente trop de. Trop de big hit du coup qui me nique. Alors qu'est-ce qu'il va nous tenter, Johan? Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Motion du running back. Bien joué ça. Et il va rouler en touche. Oui, let's go. User pick French touch baby. Devant Drake Campbell. Allez, du coup notre receveur Franklin. Voilà, ça c'est mieux, c'est mieux. Oui, Franklin, nice. Sur la comeback. Aïe aïe aïe. Oh, bien joué ça. Oh là là, je suis con. Oh putain, Hunter Henry, il me fait trop mal. Il me fait vraiment trop mal. 12 secondes. Oui, user pick, French touch baby, et c'est chaud une nouvelle fois, chaud, deuxième interception du match pour lui, incroyable. Oh, magnifique la réception, très chaud était juste en dessous. Oh, c'est tellement mal lancé, et Ishai Oliver pour l'interception. Oh là là, c'est. Je sais pas ce que son QB a voulu faire là-dessus. Bon, premier sac, il était temps. Il était temps, là, j'ai vraiment. Je suis vraiment resté 3 ans dans ma poche en plus. Est-ce que je pourrais pas. Je vais tenter un truc, je sais pas si ça a marché. Ah, oh, pourquoi il met pas les deux mains? Ah oh, putain, je l'avais pas vu. Oh, le salaud, bien joué ça. Il est tout seul.
Mais pourquoi je fais des trucs de con comme ça? Je veux trop mettre de big hit à chaque fois, c'est de la merde, c'est de la merde ce que je fais. C'est chelou ça. La petite passe sur Hooper. C'est le moment de casser des bouches là un peu. Voilà, ça c'est pas mal. Sanders là-dessus, je sais pas s'il va pouvoir faire quelque chose. Si. Pas mal. Ouais, première réception pour Sanders, putain. Voilà Sparks. Oh, le lacet, putain. Ah, beau ça, putain. Ah, il est bien revenu, il est bien revenu là sur son user, bien joué. Ah, je suis pas d'yards, putain. Ouh, ça vient très vite. Ah, bien défendu. J'ai essayé d'aller choper Franklin qui est grand de taille, justement. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'il va courir? Oh le salaud. Oh là là, quel con. Dommage. Dommage. Ah, bien joué, putain. Ah, j'ai trop chié. Et pourquoi ils bug tous les deux? Pourquoi ils bug? Oh, merci Rouleau. Pourquoi ils ont bugué? Ils sont cognés. L'un en l'autre, là ils étaient bloqués, ils pouvaient pas avancer. 6 minutes, 6 minutes à jouer. On mène de 6 points. Faut aller chercher au moins les 3 points. Ah putain, hein. Ok, j'ai tous mes remplaçants qui sont rentrés en receveur là. Oh, j'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance là-dessus. Il n'a pas intérêt à la rater. Et ça passe. 22-13, on sécurise. Putain, c'est vraiment ignoble aujourd'hui. J'aurais pas marqué de TD en attaque, quoi. Ah! Putain, mais c'est encore Henry. Il est trop rapide en plus, l'enfoiré. Oh le salaud, c'est bien joué ça. Oh, Casey, let's go. Oh. Allez, Hooper, encore, encore, encore. Ah, oh, j'ai pas eu le temps de me relever. Dommage. Ah, oh, mais c'est pas possible. Je pue la merde. Et nouveau field goal, du coup. C'est le match des field goals. Là, je suis désolé, les gens. Je. Putain, je crois que je la rate en plus. Je suis mauvais. Mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Allez, Pollard. Oh là là. J'étais là pour l'user et il a pas. Il est, je sais pas, il a rien fait. Putain. Et du coup, il n'y a plus qu'un touchdown de deck. Oh, je l'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu. Mais mes lectures sont nulles. Mes lectures sont nulles. Oui.
Merci McKinley. Merci McKinley. Putain, il est tellement clutch en fin de match, lui, à chaque fois. Ce qui est bien, c'est qu'avec un field goal et on repasse devant. Putain, il repasse devant, mais c'est le seul moment du match où il passe devant, quoi. Allez, Sanders. Let's go. Let's go. Allez, oui, yes McKinley, yes, 3 sacs aujourd'hui pour lui, 3 au quatrième carton, il est beaucoup trop chaud, 2, 1, est-ce qu'il aura le temps de jouer? Il n'aura pas le temps de jouer, et c'est la victoire pour nous aujourd'hui. On est soulagé, on a super bien commencé pour mais faire un match. Voilà, je me suis endormi en attaque. Nul à chier. Déception totale. La victoire est là, au moins on l'a sécurisé. Mais putain, qu'est-ce que c'était dur. On regarde les stats rapidement et ensuite on ira. On finira cette vidéo, tac tac tac, j'espère que Ridley s'est pas blessé longtemps en tout cas. Bon voilà, Matrean minable, hein. 19 sur 32, on est sur 60%, c'est bien en dessous de ce que j'ai l'habitude de proposer. 295 yards, 0 TD, 1 interception. Sparks il a 3,5 yards par course, 23 courses pour 81 yards, 1 TD. Au niveau de la réception, Julio, 6 réceptions, 98 yards. Hooper, 5 réceptions, 56. Franklin, Emmanuel Sanders. Ridley, du coup, une réception. Et il s'est blessé. Ah, putain, la putain. Désolé, les gens. Attendez. Je suis fatigué. Receiving, défensive. Alors, on est à 7 plaquages pour McKinley. Putain, le mec, il a tous les plaquages en défense, c'est abusé. Et on prend 2 sacs, du coup, à cause de Matthews. On l'avait vu. Les tacks for loss, c'est McKinley et Campbell. Je sais même pas pourquoi je regarde ça. 3 sacs seulement, 3 sacs de McKinley. 2 interceptions de Shaw, une d'Oliver, une de Neal, une de Campbell et une de Casey. Pas de force fumble aujourd'hui, pas de safety, pas de bloc. Et un touchdown de très Shaw. Bon les gens, j'espère que ça vous aura plu. On regardera du coup la blessure de Calvin Ridley au prochain épisode. On est à l'heure actuelle à 3 victoires, 1 défaite. Et on jouera notre prochain match contre les 49ers. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.